999 têtards. C'est le printemps. Maman grenouille a pondu 999 œufs dans une petite mare. Par une belle journée d'été, 999 têtards sont venus au monde. Ils sont tout petits mais pleins d'énergie. Chaque jour, leurs parents les encouragent à devenir grands et forts. Les 999 frères et sœurs ont maintenant si bien grandi, ils sont devenus 999 grenouilles. 999 grenouilles, toutes tassées dans une petite mare. On peut pas bouger. On peut pas respirer. Comme ils ont grandi, nous pouvons être fiers. Et pourtant, il y a quand même un problème. Que faire ? Je demande papa et maman grenouille. Déménager ? Déménager ? Oh oui ! Les 999 frères et sœurs sautent de joie et bondissent hors de l'eau. Oh là, les enfants du Galbe ! Le monde extérieur est plein de dangers, vous savez. Alors, on fait la dièse et touche derrière papa. Les petites grenouilles se mettent en route, bien sagement. Mais le chemin est long, si long, de l'herbe et encore de l'herbe. Et toujours pas de nouvelle maison. On n'arrive qu'un. J'ai faim, j'ai soif, je veux plus marcher et fatiguée. Surtout, vous arrêtez pas. Ou un énorme serpent pourrait bien surgir et vous attraper. Qu'est-ce que c'est un serpent ? Un serpent, c'est un animal féroce, avec un corps très long et une très grande bouche. Il peut avaler une petite grenouille d'un seul coup. À cette idée, papa grenouille frissonne de peur. Quand son dame... Papa, regarde ! Les petites grenouilles ont découvert une chose bizarre. Ils grondent comme un serpent. Papa et maman grenouille bondissent de frayeur. Au secours, un serpent ! Dieu merci, l'animal dort. Sans doute vient-il de terminer son repas. Fuyez les enfants, fuyez avant qu'ils se réveillent. Dans leur fuite, hélas, les grenouilles ne voient pas qu'un danger plus grand les guette. Un aigle affamé qui plane dans le ciel. Oh oh, voilà des délicieuses grenouilles. Rien que pour moi. L'aigle pique alors vers le sol. Il saisit papa grenouille entre ses puissants serres. Le pauvre se débat et hurle. S'il vous plaît, lâchez-moi, laissez mon père. Arrête donc de gigoter. Crie l'aigle en apportant papa grenouille dans les airs. D'un bond, maman grenouille s'agrippe de toutes ses forces à papa grenouille. Laissez mon homme tranquille, espèce de brute. Tous les frères et les sœurs bondissent à son tour. Ils s'accrochent les uns aux autres. Maman, reviens. Ne nous laisse pas tout seul. L'aigle commence à trouver les grenouilles bien lourdes. Il jette un œil vers le sol et découvre l'immense guirlande de grenouilles qui l'emporte avec lui. Eh bien, je vais pouvoir manger pendant un an. Les 999 petites grenouilles sont toutes excitées. Maman, papa, regardez, on vole! Mais maman et papa sont complètement affolés. Tenez bon, les enfants! Si vous lâchez prise, c'est la mort rassurée. Au bout d'un moment, les petits en ont assez. J'ai faim! Ce soir! Quand est-ce qu'on arrive? Il s'agit tant et tant que l'aigle n'arrive pas à voler droit. Il est sur le point de tout laisser tomber. Pitié, ne nous lâche pas. Il faut tenir. Papa grenouille est à bout de demander. L'aigle est à bout de force. Il desserre ses griffes. Il relâche sa proie. Papa grenouille, maman grenouille. Et les 999 petites grenouilles tombent du ciel. Splash, splash.
splash, une véritable pluie de grenouilles. Où sommes-nous? Apparemment, nous sommes dans une mare. Comme c'est grand. Comme c'est spacieux. Comme c'est confortable. Et l'eau a un très bon goût. Les 999 petites grenouilles batifolent émerveillées. On est bien, n'est-ce pas? Oui, on est bien, c'est l'endroit idéal. Et les enfants pourront grandir dedans. Écoutez-moi bien, dorénavant, cette mare est notre nouvelle maison. Alors de loin, de très loin, on entend 999 petites grenouilles chanter joyeusement.